Épave de Hardip. L'épave du vapeur Sud-Adib. 1er juin 1945 Recherche sur les attaques. Présentation et remerciements. Lorsque notre ami Peter Walker a fait des recherches sur l'histoire complète du Sud-Adib, alias Hardip Wreck, les découvertes qu'il a découvertes ont été une révélation pour tous les plongeurs qui n'avaient connu l'épave que comme un site de plongée passionnant, mais plutôt anonyme. Retrouvez toutes les recherches de Peter dans sa vidéo parfaitement réalisée sur son propre site www.peterwalkerphoto.net. Pour moi, c'était une inspiration de visualiser un jour pleinement les événements spécifiquement du jour de l'attaque et du naufrage. Après de nombreux mois de travail, cet ensemble de 29 visuels est enfin terminé. Je suis heureux de vous présenter non seulement les images, mais aussi cette mine de détails supplémentaires qui ont dû être déterrés pour la production. La consultation de Peter dans ce projet Sud-Adib Attack, mes remerciements les plus sincères s'adressent également à deux autres amis qui ont grandement aidé avec leur expertise, Brock Wright, expert en aviation travaillant pour Bell Helicopter, et Steve Burton, autorité de plongée sur épave et propriétaire de www.directdiver.com, tous deux avec des centaines de plongées Hardip à leur actif. 1. Qui a coulé le Sud-Adib. La RAF, Royal Air Force, britannique avec deux escadrons de bombardiers. Escadrons 99 et 159 de la RAF B-24 Liberator. Avions pilotés par des pilotes alliés britanniques, américains et australiens. 2. Quand et où l'attaque a-t-elle été lancée? 1er juin 1945. Les escadrons B-24 Liberator étaient stationnés sur l'aérodrome de Digri près de Calcutta, Bengale occidental, Inde. La région du Bengale occidental était idéale pour placer des aérodromes car tout le terrain est pratiquement plat avec une végétation clairsemée. Digri n'était que l'un des nombreux aérodromes de la RAF de la Seconde Guerre mondiale dans cette région, à côté des aérodromes de Kalikinda, Dudkundi, Pierre Doba, Salboni, Salua, Ijli et Chakula. 3. À quoi était la vie sur un aérodrome de la RAF de la Seconde Guerre mondiale? Les bâtiments ont été construits avec des matériaux de construction disponibles localement. Extérieur de la caserne, il n'y avait probablement pas beaucoup de divertissement pour les aviateurs. Dans de telles circonstances, je suppose que la camaraderie entre les hommes était très forte et que les amitiés forgées au cours de ces jours ont duré toute une vie. Toute attaque aérienne ordonnée était un moment fort et restait dans la mémoire des hommes avec des détails saisissants jusqu'à un âge avancé, voire interview avec le pilote Max Mazangarbe. 4. Combien d'avions ont été impliqués dans l'attaque? L'escadron 99 s'est envolé avec un total de 10 bombardiers. Escadron 159 lancé avec 13 bombardiers, l'avion 14 n'a pas réussi à décoller. Chaque escadron était divisé en 3 sections. Moins bombardier à haute altitude. Moins bombardier à basse altitude. Moins couche de mine. La photo montre comment chaque avion se déplace successivement de leur position de stationnement sur la voie de circulation. 5. À quoi ressemblent les bombeurs? Bombardier B-24 Liberator. À plus de 18 400 unités produites à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers B-24 étaient les bombardiers alliés les plus couramment produits de l'histoire. Les bombardiers B-24 Liberator sous la RAF stationnés autour de l'Inde étaient vertes olives en haut et blanc cassé en bas. Derrière les ports latéraux du mitrailleur, de grandes lettres marquaient chaque avion afin que l'équipage au sol et l'équipage de la tour puissent facilement les identifier à distance. 6. À quelle heure l'attaque a-t-elle lancé? Le commandant d'escadre Lucien Ercolani qui coulera plus tard le Sud-Adib a décollé à 5h41 du matin. Tous les autres avions suivraient à des intervalles d'environ une minute. Le dernier avion du squadron 159 était en l'air à 5h55. 7. Comment les escadrons ont-ils été subdivisés? Nous n'avons aucune information sur les 10 avions du squadron 99. Escadron 159 répertorié. 5 bombardiers à haute altitude, marqués A, K, D, V, B. 4 bombardiers à basse altitude, marqués T, R, J, C. 4 couches de mine, marquées F, H, Q, U. Au premier plan de cette photo vous voyez le B-24 marqué U piloté par Max Mazangarbe. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, combien de temps a duré le vol vers les cibles en Thaïlande? Le vol aller simple a duré plus de 6 heures. De fortes pluies de mousson et des conditions de vol défavorables ont transformé le vol en un trajet chaotique. Un certain nombre de membres d'équipage ont perdu leur petit déjeuner en plein vol.
Les conditions météorologiques ont en fait forcé l'un des bombardiers de pose de mine, avion, Q, à retourner à la base avant d'avoir atteint la zone cible. 9. Quel itinéraire de vol les bombardiers ont-ils pris? La trajectoire de vol était très probablement très directe, mais s'est assurée d'éviter un temps inutile au-dessus de l'espace aérien birman puisque l'armée japonaise avait progressé dans cette zone à ce moment-là et aurait pu détecter une attaque imminente. 10. Quelles ont été les cibles de l'attaque? En fait, la cible principale de l'attaque était le HTMS Angtong ancré à Sataip B. Elle attaque à la bombe de haut niveau sur elle. Angtong a commencé à 12h36. La Angtong a été touchée avec succès par les bombardiers de haut niveau, après quoi toute l'attention a été détournée vers les cibles secondaires. Le SS Sudadib et le HTMS Tachin. 11. Pourquoi le Sudadib était-il ancré à Cao Shuang? Un premier raid des escadrons de la RAF deux jours plus tôt, 30 mai 1945, avait manqué toutes les cibles. Anticipant une autre attaque, l'amiral Kanok de la marine royale thaïlandaise décida alors de disperser les navires autour des îles voisines plutôt que de garder tous les navires à Sataip Bay, comme El Angtong. 12. Quand et comment l'attaque contre le Sudadib a-t-elle commencé? Il devait être entre 12h40 et 12h45 lorsque les premiers bombardiers à haute altitude se sont verrouillés sur le Sudadib comme cible. Le bombardement de haut niveau a été effectué à une altitude de 5000 pieds. Les conditions météorologiques dans la zone cible étaient très agréables avec des cirrus épars, une bonne visibilité et une bonne luminosité. Tous les navires utilisables ont été souscrits par la marine thaïlandaise pour aider l'effort de guerre japonais et une importante cargaison de fûts de carburant à bord du Sudadib était destinée à soutenir la construction du « chemin de fer de la mort » de la Thaïlande jusqu'en Inde. L'Angleterre, stationnée en Inde, a été forcée d'arrêter ce projet et d'anticiper toute nouvelle avancée japonaise. 14. Quelle était la charge utile sur chaque avion? Chacun des 5 bombardiers de haut niveau et des 4 bombardiers de bas niveau transportait 5000 livres. Bombe M59. Bien que la soute à bombe du B-24 puisse contenir jusqu'à 8 bombes de cette taille, 5 bombes étaient le maximum ce jour-là, car des réserves de carburant supplémentaires devaient être transportées pour le vol aller-retour extrêmement long. Les 4 bombardiers de couche de mines transportaient diverses mines, principalement des mines américaines MK-13, de taille et de forme très similaires aux bombes M59 et parfaitement adaptées à la soute à bombe du B-24, une mine MK-4 et des mines britanniques V-11. La moitié arrière d'une mine MK-13 se trouve au sud de l'épave vers la plage de Cao Shuang à 22 mètres de profondeur. 15. Comment une bombe M59 s'arme-t-elle? Un fusible de queue à l'arrière de la baie. 14. Quelle était la charge utile sur chaque avion? Chacun des 5 bombardiers de haut niveau et des 4 bombardiers de bas niveau transportait 5000 livres. Bombe M59. Bien que la soute à bombe du B-24 puisse contenir jusqu'à 8 bombes de cette taille, 5 bombes étaient le maximum ce jour-là, car des réserves de carburant supplémentaires devaient être transportées pour le vol aller-retour extrêmement long. Les 4 bombardiers de couche de mines transportaient diverses mines, principalement des mines américaines MK-13, de taille et de forme très similaires aux bombes M59 et parfaitement adaptées à la soute à bombe du B-24, une mine MK-4 et des mines britanniques V-11. La moitié arrière d'une mine MK-13 se trouve au sud de l'épave vers la plage de Cao Shuang à 22 mètres de profondeur. 15. Comment une bombe M59 s'arme-t-elle? Un fusible de queue à l'arrière de la bombe M59 contenait une petite hélice. Une fois la bombe larguée d'un avion, l'hélice a commencé à tourner dans le courant d'air qui a poussé une goupille dans un mécanisme d'armement. N'est qu'après ce processus que la bombe a été armée. Non explosée à l'ouest de l'épave à 28 à 30 mètres. 16. Les bombes tombant sur l'eau ont-elles explosé ou coulé? Il y a un certain nombre de bombes non explosées autour de l'épave de Sudadib, mais très probablement aucune de celles-ci ne provient des largages de haut niveau, toutes ont dû exploser. Les bombes de haut niveau devaient exploser 0,25 secondes après l'impact. Inertie à l'intérieur de la bombe, dès que l'enveloppe extérieure ralentit, un mécanisme coulissant à l'intérieur continue d'avancer à la vitesse d'origine et provoque la détonation. 17. Les bombes de haut niveau ont-elles atteint leur cible? Non, toutes les bombes de haut niveau ont raté le Sudadib. Bombardements de haut niveau sont au mieux des jeux de hasard. Les gouttes de haut niveau qui ont frappé El Angtong quelques minutes plus tôt étaient principalement de la chance. 18. Y a-t-il eu des pertes? Les 15 hommes d'équipage du Sudadib ont sauté par-dessus bord et ont nagé jusqu'à Cao Shuang, aucun d'entre eux n'a été blessé.
19, que s'est-il passé lors de l'attaque à bas niveau? Le plan de la vague d'attaque à basse altitude était une technique connue sous le nom de skip bombing. Bombes ont été larguées à très basse altitude et plutôt que de couler, elles ont sauté à la surface de l'eau comme une pierre qui saute. Était prévu qu'une bombe finisse par toucher le côté du navire, couler et explose en dessous. Les bombes de faible niveau ont été chronométrées pour exploser 11 secondes après le premier impact, au navire. Équipage de l'escadron ont rapporté que des bombes sautaient en fait par-dessus le Sud-Adib. 20. Le Sud-Adib s'est-il défendu? La Sud-Adib n'avait pratiquement pas de défense antiaérienne, voire pas du tout, et bien que naviguant sous un pavillon de guerre de la marine thaïlandaise n'était encore qu'un navire de fret civil. Tout l'équipage avait abandonné le navire maintenant. Elle était un canard assis. Cette photo montre la vue depuis le cockpit à l'approche du navire. Le mitrailleur avant tire sur une cible sans défense, et, vous feriez la même chose après avoir volé ici pendant 7 heures. 21, qui a coulé le Sud-Adib? Le commandant d'escadre Lucien Ercolani avec son bombardier à basse altitude Mark ET est celui qui a largué la bombe qui a fait tomber le SS Sud-Adib. Le mitrailleur avant dans la tourelle avant continue de tirer. Ici, la vue intéressante à l'intérieur d'une soute à bombes d'un B-24 avec des bombes M-59 chargées, garées sur un terrain d'aviation. Imaginez l'équilibre d'un membre d'équipage marchant d'un bout à l'autre en plein vol avec la soute à bombes ouverte comme ça. 22, où la bombe a-t-elle fouché le navire? La bombe est tombée dans la soute avant chargée d'une importante cargaison de fûts de carburant. Pour votre information, bien qu'il s'agisse d'un « gros trou dans la coque », le trou dans la salle des machines du côté bâbord de l'épave, qui est maintenant le « sommet de l'épave », n'est pas un dommage causé par une bombe, mais était une ouverture rectangulaire découpée à dessin vers grue et récupérer la machine à vapeur qui, je suis sûr que vous l'avez remarqué, n'est plus dans l'épave. 23. Quel dommage la bombe a-t-elle fait? Les fûts de carburant ont explosé, mais pas la bombe. Si la bombe avait explosé à bord, la destruction du navire aurait été massive et l'épave ne serait pas dans l'état où nous la trouvons aujourd'hui. La bombe a très probablement pénétré la coque de l'intérieur et a tiré du côté tribord. Il faut supposer que les fusées de queue des bombes n'ont jamais eu le temps de s'armer avant de toucher l'eau ou le navire, ce qui explique également la multitude d'autres 1000 livres non explosées. Bombe autour de l'épave dans le sens de la trajectoire de vol, nord-ouest. Comprendre les fusées à bombes. Fusées de queue étaient compatibles avec les bombes M59 et nous ne savons pas avec certitude lesquelles les escadrons avaient utilisées pour leur attaque. Beaucoup d'entre eux ont dû parcourir plusieurs centaines de mètres avant d'armer correctement la bombe. Larguées à seulement 150 pieds d'altitude, les fusées de queue de nos bombes n'ont peut-être jamais eu le temps nécessaire pour s'armer. 24. Qu'est-il arrivé à la bombe après qu'elle ait frappé le navire? Comme beaucoup d'autres bombes de faible niveau ce jour-là, elle a coulé au fond de l'océan, non explosée. 25. Qu'est-ce qui a causé le Sud-Adib? Bien que la bombe n'ait pas explosé à bord et que les dégâts aient été relativement minimes, avec l'explosion de carburant à bord, cela a suffi à faire tomber le navire. La bombe elle-même a peut-être créé un trou en perçant la coque de l'intérieur. Coutures des plaques de la coque doivent avoir éclaté et se déplacer et permettre à l'eau de pénétrer instantanément dans la coque. Quel que soit le dommage, il s'est produit du côté tribord qui est maintenant le dessous de l'épave et est enterré sous 2 mètres de gravats et de sable, il ne sera donc jamais correctement visible lors d'une plongée. 26. Quand le Sud-Adib a-t-il coulé? Il a coulé à 12h55 avec une inclinaison avant tribord. Après un raid aérien très réussi, toutes les cibles avaient été touchées, les escadrons de bombardiers Liberator B-24 de la RAF sont rentrés chez eux en Inde, ils arriveraient à la base entre 19h34 et 21h19 après un temps de vol total allant jusqu'à plus de 15h non-stop. 27. Les Sud-Adib sont-ils allés au ciel? Non. Elle s'est immobilisée sur son flanc tribord à une profondeur d'environ 25 mètres, les oursins la rongent depuis et des hordes de plongeurs la pénètrent quotidiennement, essayez de vous reposer comme ça. Un certain nombre de bombes non explosées de l'attaque à basse altitude reposent toujours sur le fond de l'océan, certaines assez loin. Celui que nous pensons être le seul se trouve à 28 mètres de l'épave en direction de l'ouest. La bombe près de l'épave de Sud-Adib qui est parfaitement alignée avec la trajectoire de vol passant au-dessus de la soute avant.